Le monde est une sacrée attraction. Vous savez quoi? Lorsque j'étais enfant, j'avais une certaine intuition. Puis, avec le temps, ça s'est estompé. Je me levais le matin avec cette sensation étrange d'être incomplète. Jusqu'au jour où j'ai pris conscience que de vouloir me camoufler pour passer partout et vouloir tout le temps satisfaire mon entourage n'était pas une solution en soi, ni même jouer un rôle. C'est une sorte d'anti-liberté. C'est pour cette raison d'ailleurs que lorsque j'étais enfant, il me tardait d'être adulte. À un moment donné, j'ai dû en fait apprendre à dire non, à dire stop et réapprendre finalement ce que je savais déjà, m'écouter tout simplement. C'était vital pour moi et je vois que nous sommes nombreux dans cette situation. Nous vivons dans un monde qui va de plus en plus vite. Le temps s'accélère, une course contre la montre est lancée, une course que nous ne pourrons pas gagner. Deux choix s'imposent à nous. Le premier, continuer à ne pas prendre le temps. Le deuxième, prendre le temps. Prendre le temps pour soi et pour les autres. Chez nous, chez Sacrée Attraction, bien évidemment, nous optons pour la deuxième solution. Parce que le temps est la seule valeur qui nous importe véritablement. Le temps que nous passons sur Terre, le temps que nous passons avec les personnes que nous aimons, prendre le temps, c'est se respecter soi et respecter les autres. Prendre le temps de savoir ce qui est bénéfique pour nous. Prendre le temps de semer et récolter le fruit de nos actions. Prendre le temps en laissant le temps au temps. Chez Sacrée Attraction, nous décidons de vivre dans notre temps. Et vous ?